Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du Mont Viso. Antonio, imbécile! C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité. Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. Ramoneurs, chiffonniers, les Italiens, ils étaient bons à tout. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise l'ouvrier italien, c'est qu'il n'y a pas chez ses ouvriers de dignité personnelle. Ils endurent tout. Les enfants ont découvert le français à l'école. Les premiers mots qu'ils ont appris ont été « fils de pute de macaroni ». Pourquoi ils ont écrit ça, papa ? Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont peur que les chiens mordent les Italiens, tu comprends ? Allez les enfants, on y va. Un peu à droite. On ne joue pas avec la nourriture. Il fascisme. Le petit oiseau va sortir. Menteur, je vois pas l'oiseau. J'ai réalisé tout à coup qu'avant de s'appeler Mémé, ma grand-mère avait été jeune et belle et qu'on l'avait aimée. Et alors, on joue avec la nourriture maintenant ?